Symphony by Jules Verne, 1867. We set up our camp as usual and spend a night which would have been most agreeable had it not been for the presence of monkeys, cayuvasus, and wild dogs. These noisy creatures, doubtless in honor of, but most assured by the detriment of the European ear, delivered one of those natural symphonies whose authorship would not have been disclaimed by a composer of the future. Les enfants du capitaine Grant, Voyage autour du monde, Jules Verne, 1867. On campa à la manière accoutumée, et la nuit aurait été bonne, n'eût été la présence des singes, des alouates et des chiens sauvages. Ces bruyants animaux, sans doute en l'honneur, mais à coup sûr pour le désagrément des oreilles européennes, exécutèrent une de ces symphonies naturelles que n'eût pas désavoué un compositeur de l'avenir. Raymond Roussel, R.R., Quatuor. L'os mûr de l'Éros, le rayon d'or sur Dynamo, rayon mûr sur mon asile d'os. Satirique, car si pipsanabi, si 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 fanaba pinarabi fisca, sapibia crapi parasianipsi sebe, agrica bisa sepe, rifa pica bisani cracanis papibi, paca, si si fibra. Francis Picabia. John Cage. Can he jog? Can he jog? He can jog. He can jog. He can jog. Can he jog? He can jog. He can jog. Nam June Peck, sur l'air de la barbichette.
Jempokna, 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 Jempokna. Was jam on clock, was clock on jam. Was jam on clock, jam clock on so. Was clock on jam, jam so, clock on. Jam so, no clock, clock jam, jam clock, so on, Jackson, Maclow. Charlemagne, Palestine. L'archange mâle se peint, l'archange sale me peint, l'archange leste ma pine. Sextet, Charlie Morrow. Rhyme, choral, row. Row, rhyme, choral. Choral, row, rhyme. Rhyme, row, choral. Choral, rhyme, row. Row, choral, rhyme. H.R. Heyman. Haydn, er march, march, er Haydn. Haydn, march, er Haydn. March, march, Haydn, er march, Haydn. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Banana Dupuis, 1976. Je n'aime pas les sucettes, je n'aime pas les bonbons fondants, mais j'aime les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans. I don't like lollipops, I don't like soft candies, but I love bananas and no bone inside. Marguerite liked French fried potatoes. Elle aimait bien les frites, Marguerite, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite. Noé, peinture à l'eau. Il pleut de l'eau, plic, ploc, plac. Il pleut de l'eau, plein mon arche. Quel temps divin pour les grenouilles. Noah, watercolors. It is raining, plic, ploc, plac. It is raining all over my ark. What weather divine for the frogs. Coucou. Coucou, coucou. Coucou. Coucou, coucou. Ear. Here is the description of ear. A box of light-colored wood with a shape suited to its function, divided into two parts. Inside each part there is a fire optic system, a power stat, and two very small bulbs which are connected with two adjustable lenses and an otoscopic speculum. The earbox allows you to see enlarged two times your own left and right inner ear. The earbox is shown in a black booth containing two chairs of no particular style, permitting one to see his, her ear in comfort. The person is seated in such a way
that he or she can easily insert the little speculum into his or her own ear. A light bulb in the booth permits one to read the following instructions. Clean the speculum booth before and after use with the cotton and alcohol, which are on a small table. Then throw the cotton into the waste basket under the table. There is also a large-sized diagram of ear attached to one of the three walls of the booth. Worked out in New York between October 71 and March 72, with Dana Egan as technician. Exhibited at St. Albans, three new pieces March 72, then at the Grand Palais, Paris, 72-72, where one of the two parts was broken. Described in Art Forum, Pinkus Witten, May 72, bought by the Musée National in 72, then given in 78 by the same musée to the Centre Pompidou, at which time the following fact was discovered. The earbox had disappeared from the back of the booth to which it was attached. However, the booth, with what was left in it, can be seen. 2 rue de la Manutention, Paris, 13 et 3. Oreille. Grâce à un fiber optic system, une personne voit l'intérieur de sa propre oreille grossie 2 fois. Description. Boîte en bois clair de forme pratique pour sa fonction, divisée en 2 parties. À l'intérieur de chacune des parties, il y a un fiber optic system, un power stat et 2 lampes minuscules. Ces objets sont reliés à l'extérieur de la boîte à 2 lentilles, à focus réglable et à un speculum pour otoscopie. Oreille permet de voir grossie 2 fois sa propre oreille, celle de gauche et celle de droite, vue interne. Oreille est présentée dans un cabinet peint en noir, comportant une chaise sans style particulier permettant de voir son oreille confortablement, dans une position telle que la personne assise peut introduire facilement dans son oreille le petit speculum. Une lampe dans le cabinet permet de lire les instructions suivantes. Nettoyer le spéculum avant et après usage avec l'alcool et le coton qui se trouve sur la tablette. Puis jeter le coton dans le panier sous la tablette. Il y a aussi un dessin de taille grand aigle environ qui décrit oreille. Il est collé sur l'un des côtés du cabinet. Réalisé à New York, octobre 71, mars 72, technicien Dana Egan. Présenté chez Sonaben, 3 new pieces, mars 72, puis au Grand Palais, 72-72, où l'une des 2 parties a été cassée. Décrite dans Art Forum, Pickus Witten, mai 72, acquise par les musées nationaux, puis attribuée par les musées nationaux au centre Georges Pompidou, en janvier 78. C'est à cette occasion qu'on a constaté le fait suivant, oreille a disparu du fond du cabinet où elle était fixée. Cependant, le cabinet et ce qui reste dedans peuvent être encore vus, 2 rue de la Manutention à Paris, 13 et 3.